Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul multi-boutique. Voilà, vous montrer un petit peu mes achats que j'ai fait dernièrement. C'est des achats chez Kiko, chez H&M, en parapharmacie, sur iHerb. Voilà, un petit peu de tout. J'ai même un produit alimentaire à vous présenter. D'ailleurs, on va commencer par ça. C'est du thé de la marque Clipper. Qui est assez connu mais que moi je n'ai jamais testé parce que je ne prends que du thé à la menthe, tout simplement parce que les thés un petit peu, vous savez, exotiques de type caramel, fruits rouges, etc., je les trouve très très fades et donc j'ai jamais voulu tester. Je mets pas de sucre dans mon thé, donc il faut vraiment que le thé soit concentré très fort pour qu'il soit agréable à boire pour moi. Et là j'étais chez mon coiffeur, enfin chez mon coiffeur, chez c'est pas mon coiffeur habituel parce que maintenant enfin, j'ai réussi à ne plus aller chez mon coiffeur habituel pour faire des colorations chimiques. J'ai testé pour la première fois une coloration végétale au salon Biocoiffe. Ils ont un salon dans le 6e et dans le 13e à Paris. Et moi, j'étais à celui du 6e hier. Voilà, j'ai fait des mèches. Et je vous en parlerai d'ailleurs sur le blog. Je vais essayer de vous faire un article pour vous présenter ça. En tout cas, ils m'ont servi un thé. Et c'est à la base, j'étais partie pour prendre du thé à la menthe, hein, comme d'habitude. Et puis, comme ils en avaient plus, bah, j'ai pris le paquet rose. Je ne savais même pas à quoi c'était. Je pense que si j'avais lu l'intitulé de l'arôme, je pense que je n'aurais pas du tout pris. Et finalement, j'ai été hyper surprise. Le goût est délicieux. C'est du thé à l'églantier à l'hibiscus. C'est une infusion bio plutôt. C'est une infusion. Et j'ai adoré. J'ai adoré, comme je dis, j'ai pas mis de sucre hein, comme d'habitude, et il est délicieux. Délicieux, délicieux, il est concentré, il est bon. Donc tout de suite, j'ai voulu m'acheter des boîtes. J'ai regardé sur internet et en fait, on en trouve tout simplement chez Monoprix. J'ai pris deux boîtes. J'ai pris du thé vert au citron bio. Là-dedans, vous avez 20 sachets, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que je vais aimer parce que j'adore le thé vert et le citron. J'adore ça. C'est un produit biologique, donc comme je vous ai dit. Et la boîte, elle coûte 2,80 €. Vous avez 20 sachets. J'ai pris aussi des sachets pour des sachets d'infusion détox. En fait, c'est pour détoxifier votre organisme. Ce thé est censé en fait nettoyer votre organisme de l'intérieur. C'est à base de plantes. Donc c'est une infusion bio à l'hibiscus, à la réglisse, à l'ortie et à l'aloe vera. Voilà, donc j'espère surtout que c'est bon, parce que c'est un petit peu le but, hein. Moi, quelque chose qui n'est pas bon, je ne le prends pas tout simplement. Mais voilà, j'ai hâte de les essayer. J'ai pas trouvé ce goût-là, églantier, hibiscus, mais je ne perds pas espoir. Je vais très certainement, dès que je le trouve, j'en achète en tous les cas, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai recommandé, alors quelque chose que je commande et que je recommande en permanence, c'est tout simplement de l'argile rouge, des masques à l'argile rouge tout prêts, comme ça, pas en poudre. En poudre, c'est. Enfin, moi, ça me. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire. J'ai pas la patience de préparer, etc. Donc voilà, c'est tout prêt, c'est vite fait. C'est donc un masque à l'argile rouge de la marque Argilès, qui est pour moi la meilleure marque pour les argiles. Ce sont des argiles 100% naturelles. L'argile rouge, alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'argile rouge est beaucoup moins abrasive que l'argile verte. Elle est d'ailleurs conseillée pour les peaux sèches. Elle lisse votre peau. Elle va vous donner un petit côté frais, bien sûr, mais surtout une couleur de teint aussi. Hyper, enfin voilà, vous allez être rose à la sortie de ce masque et elle resserre les pores. Moi, je la mélange à du gel d'aloe vera que j'achète sur Aromazone. Et franchement, c'est un masque franchement que je vous conseille d'essayer. En plus, ça vaut pas cher. Le tube coûte 3,75 €. Vous ne le trouverez pas en parapharmacie en stock parce que la marque, je ne sais pas pourquoi. Ils n'en ont pas en stock, je ne sais pas. Il faut les commander à chaque fois et pas toutes les pharmacies peuvent vous commander l'argile rouge, bizarrement. Mais voilà, moi j'ai trouvé une pharmacie pas loin de chez moi chez qui je peux commander ça. Ça vaut 3,75 € le tube. Voilà, il y a aussi Cattier qui fait ça. J'aime moins les argiles de chez Cattier, je trouve qu'elles sont trop diluées. Là,
C'est vraiment un concentré d'argile. Enfin, on sent tout de suite que la pâte est riche. Voilà, est riche en argile. C'est de l'argile et de l'eau, hein. Pas plus que ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et toujours, si vous, même si vous ne trouvez pas cette marque, ou voilà, si vous tombez sur une autre marque d'argile, faites attention que ce soit toujours une argile 100% naturelle. Parce que quand elle est coupée, ça marche moins bien. Je vous conseille de prendre vraiment de l'argile, même de l'argile en poudre. Si vraiment vous ne trouvez pas, sur Aromazone, vous avez de l'argile en poudre. Vous mélangez ça avec très peu d'eau, ça vous fait une pâte et donc vous appliquez sur le visage. Voilà, pour les fainéantes comme moi, il y a des tubes aussi qui peuvent se commander. Ensuite, j'ai commandé pour la première fois sur un site de parapharmacie que j'ai trouvé pas cher du tout. J'ai voulu tester et c'est le site Power Santé. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et sur mon blog, bien sûr. Et donc j'ai racheté ma fameuse crème riche hydratante de chez Ambryolisse. J'en ai pris deux tubes. Ce sont des tubes de 50 millilitres. Il faut savoir que cette crème, elle est juste introuvable en parapharmacie. Et quand vous voulez la commander, elle coûte 10 euros plus cher. La dernière fois, quand je me suis renseignée, elle coûtait 20, enfin, on m'a demandé 29 euros pour la crème. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment très onéreux. Pour un petit tube de crème de 50 ml, surtout que là je l'ai trouvé à 18 euros. Donc c'est hyper avantageux. Donc la crème riche hydratante Ambryolisse, ce sont donc, comme je vous disais, des petits tubes de 50 ml. Petits tubes mais qui durent quand même assez longtemps. Voilà, comme ça j'en ai pris deux. Voilà, c'est pour les peaux sèches et déshydratées. Moi j'ai une peau normale à mixte et ça ne m'empêche pas de la mettre en hiver. Voilà, ma peau boit cette crème. Je vois tout de suite la différence. Juste avant, j'utilisais une crème hydratante de chez Avène qui n'était pas assez riche pour moi. Voilà, quand j'ai réutilisé ça en début de semaine sur mon visage, j'en ai mis pourtant pas mal et ma peau a complètement bu le produit. Ma peau n'a laissé aucun film gras. Donc c'est qu'elle en avait bien besoin. Et quand vous sentez que ça laisse un film gras sur votre visage, c'est que votre peau est assez hydratée et qu'elle n'a pas besoin d'une crème aussi riche. Voilà, qu'elle n'a pas besoin d'une crème aussi riche. Donc il faut passer à une crème un petit peu moins riche, moins concentrée, moins crémeuse, plus fluide en fait. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je la mets matin et soir. Et elle est à l'acide hyaluronique. Voilà, qui est un puissant hydratant. Ça repulpe en fait la peau, ça la lisse, ça l'adoucit. Enfin, je peux que vous conseiller cette crème. Voilà, en plus je suis super contente parce que sur Power Santé, elle est qu'à 18 euros. Et ils vous offrent les frais de port en point relais, hein, pas à domicile, les frais de port en point relais pour 39 euros, je crois. Donc j'ai rajouté une petite crème de change de la marque Biolan qui est sans parfum. Hypoallergénique, voilà, douceur, pureté, etc. C'est pour mes enfants. Ensuite, tiens, une bougie. Une petite jarre que j'ai achetée hier de la marque Yankee Candle. Donc, c'est une marque très connue, hein, je ne vous la présente plus. Et là, c'est la senteur Clean Cotton. Et cette senteur, j'adore cette senteur pour le printemps. Parce que c'est très frais. Voilà, sur l'image, il vous montre du linge étendu. Et c'est exactement ça. C'est l'odeur du linge propre, de la fraîcheur, du printemps. Voilà, je trouve que ça colle super bien pour la saison qui arrive. Et donc, où c'est que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça dans une boutique à côté de République. En fait, je connaissais cette boutique depuis un moment. Et là, il y a un mois, ils ont rentré les produits de la marque King Candle. Donc, moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. La boutique est rue Bichat, au début de la rue Bichat. Et voilà, la petite jarre coûte 10,90 €. Je pense qu'on peut trouver moins cher sur internet. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai trouvée, était dispo. J'en avais plus, donc j'étais très heureuse de la trouver. Ils ont que des jarres pour l'instant. Les tartelettes, ils vont les recevoir. Donc voilà, si vous habitez pas loin de République. Voilà, sachez que rue Bichat, il y a une boutique qui fait
cette marque de bougies. Ensuite, une petite folie que je me suis achetée chez Sephora. C'est un produit de la marque Christophe Robin. Christophe Robin, qui commence à être vraiment très connu. C'est un coiffeur qui a décidé de lancer ses produits pour voilà, ses soins à domicile. Et j'ai vu cette. C'est un shampoing en fait. C'est un shampoing à l'avant purifiant au sel marin. J'ai vu ce produit sur la. Il a été présenté par Laetitia sur la chaîne Lovely Letty, je crois. Et elle disait que ça marche super bien. C'est-à-dire que cette pâte en fait, parce que c'est une pâte lavante enrichie au sel marin, c'est-à-dire qu'il y a carrément des morceaux de sel à l'intérieur. Là, vous ne les verrez pas, mais vous voyez la texture. Et cette pâte lavante purifie en fait votre cuir chevelu et surtout aide les cuirs chevelus à régresser moins vite. Donc, si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, ce produit est vraiment très bien. Moi, j'y croyais pas du tout. Franchement, je n'y croyais pas du tout. Mais j'ai voulu essayer. Voilà, elle a. J'étais faible. Elle encourageait, en fait, elle disait que ce produit est vraiment excellent. Donc, j'ai vraiment voulu essayer. Ah oui, alors Christophe Robin fait des produits sans silicone, sans parabène, sans quoi d'ailleurs? Sans colorant. Par contre, ce ne sont pas des produits bio ni 100% naturels, mais c'est acceptable pour les gens qui font attention à prendre des produits assez naturels pour ses cheveux. C'est acceptable. Et donc, à la première application, ce que je peux vous dire. Donc, ce qu'ils préconisent, c'est de prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe, mais moi, je trouve que c'est trop, une cuillère à soupe. En plus, j'ai les cheveux longs, donc je pensais que ça allait, que ça ne, enfin, que ça allait pas, que, au contraire, que ça allait être trop peu. Mais le shampoing d'après, j'ai pris moins et ça a marché tout aussi bien. Donc, vous prenez, moi, je prends un peu moins qu'une cuillère à soupe dans la main. Je l'applique sur le cuir chevelu. Je me suis dit, mais ça ne va jamais mousser. Et en fait, ça mousse super bien. Donc, vous vous rincez les cheveux comme d'habitude. C'est un shampoing sous forme de pâte. Ça mousse super bien. Vous massez votre cuir chevelu avec ce produit. Vous allez sentir les grains de sel. Voilà. Moi, j'aime bien laisser poser un petit peu, laisser un petit peu poser le shampoing. Juste le temps de me faire un massage du cuir chevelu tout doux. Et ce que je peux dire, c'est qu'à la première application, j'ai senti que mon cuir chevelu était. Ça lui faisait du bien en fait. Par exemple, mon mari, Gary l'a utilisé et lui, il a le cuir chevelu assez agressé. Il a le cuir chevelu qui lui gratte, etc., qui lui fait des démangeaisons. Et quand il a appliqué ce shampoing, il a senti que le sel en fait cicatrisait ces petites coupures, ces petites zones de sécheresse et. Ça lui a fait vraiment beaucoup de bien et moi aussi j'ai ressenti ça. Pourtant, j'ai pas le cuir chevelu hyper agressé, mais voilà. Et concernant les peaux qui, enfin les peaux, les personnes qui ont les cheveux qui ont tendance à régresser vite, ça marche aussi très bien. Moi, je suis dans ce cas-là et ça m'a repoussé en fait mon shampoing d'un jour. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne donne pas de volume. Voilà, donc moi qui ai les joues un petit peu raplapla, j'aime bien les shampoings qui donnent du volume. Donc ce que je fais, c'est que je l'alterne. J'ai un très bon shampoing pour le volume et puis celui-ci, voilà, une fois sur deux. Et puis ça me permet de le garder parce qu'il coûte très cher. Là, il y a quoi? Il y a 20 utilisations. Je pense que j'en ferai 25 parce que j'en prends moins qu'une cuillère à soupe. Coûte 37 euros. 36,90, je crois, chez Sephora. C'est extrêmement cher. Je l'ai pris avec moins 20%, mais même avec ça, je trouve ça très cher. Donc, si vous avez les moyens de vous le payer, testez-le. Moi, je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tous les cas, quand je l'applique, j'en suis très heureuse. Ensuite, une petite commande que j'ai faite sur le site de iHerb. Donc, iHerb, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un site américain qui est spécialisé dans les produits naturels et bio, mais pas que. Il n'y a pas que ça, donc il faut bien regarder les produits avant de les acheter. Et là, j'ai voulu tester deux nouveaux shampoings de la marque Giovanni. Là, c'est un shampoing pour les cheveux, voilà, type de cheveux normal à gras, donc qui ont tendance à régresser assez vite. Et ça, c'est un shampoing pour les cheveux abîmés. Donc je ne les ai pas encore testés parce que je finis d'abord ceux que j'ai entamés, mais je vous en donnerai des nouvelles.
Ces shampoings coûtent pas cher, ils coûtent 5 $ pièce. Donc c'est rien du tout, c'est un tube de 250 millilitres. J'espère surtout que c'est efficace. Alors c'est pas bio, mais ça a une composition. Ah non, pardon, c'est pas bio, mais c'est 100% végétal. Voilà. Des ingrédients 100% végétal quand même, et bien sûr non testés sur les animaux. Je me suis pris une petite lotion de la marque Revivalabs, Elastin and Collagen Skin Toner. Donc c'est pour les peaux sèches, mais j'utilise quand même. Hein. J'ai une peau normale à mixte. Elle est enrichie en vitamine A et E. Le seul problème, c'est l'odeur que je n'aime pas du tout. Mais c'est très personnel. Hein. Vous pouvez apprécier l'odeur. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai utilisée déjà 2 semaines et demie quand même. Voilà, elle en est là. J'ai rien à dire de spécial. J'ai pas vu de choses transcendantes. Elle n'est pas particulièrement agréable à utiliser. Mais par contre, elle ne dessèche pas la peau. Donc ça, c'est très bien. Et j'espérais bien hein, pour une lotion qui est conseillée pour les peaux sèches. Voilà, donc c'est bien. Après avoir nettoyé mon visage, j'aime bien m'appliquer cette petite lotion. Je ne sais pas si je la rachèterai. Elle vaut pas cher. Elle était à combien cette lotion? 4 $, je crois. J'avais noté. Ah non, même pas. 3 $. 3,06 $ pour cette lotion. Attendez. Non, pardon. 4,41 $ pour cette lotion. Et c'est ce petit fluide hydratant qui coûte 3,06 $ seulement. Donc c'est un petit fluide hydratant de la marque Adama. C'est fait à partir de shea butter, c'est du beurre de karité, des herbes botaniques, et c'est enrichi en minéraux. Voilà. Voilà, bien sûr, vegan, donc 100% végétal, sans parabènes, sans sulfate, sans gluten. Voilà, une petite lotion que j'ai eu envie d'essayer. Petite lotion hydratante que j'aime bien. J'adore l'odeur, par contre, et je l'utilise en fait sur le décolleté. Parce que j'ai pas envie d'utiliser ma crème Embryolisse sur le décolleté. Et il faut bien l'hydrater. Cette partie du corps est particulièrement sensible. Donc je l'utilise pour le décolleté. Et elle est bien. Elle n'est pas collante. Elle fait bien son job. J'aime bien. Et puis elle n'est pas chère du tout. Ensuite, un masque pour le visage de la marque Desert Essence. Donc c'est un masque exfoliant douceur pour le visage à l'huile de jojoba et à la poudre d'amande. Donc à l'intérieur pour gommer, vous avez de la poudre d'amande et encore autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Et je dois dire que ce masque, c'est un masque exfoliant. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme un exfoliant classique, donc vous massez votre visage, vous rincez tout de suite, mais vous pouvez aussi le laisser sur le visage quelques minutes, 5 à 10 minutes sur le visage, et rincer ensuite. Et moi, c'est ce que je fais, et il marche super bien. Votre peau est lisse, il retire quand même très bien les impuretés et même quelques points noirs, surtout au niveau du nez. J'ai vu ça, c'est assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé cet exfoliant, et ce qui m'a aussi tout de suite frappé, c'est la brillance de mon visage après ce masque. C'est-à-dire que votre peau est lustrée. Elle est tellement lisse et tellement purifiée qu'elle brille. Et voilà, en plus, il coûte pas cher du tout. Celui-ci, je vais le racheter parce que j'adore l'utiliser, et c'est très rare pour moi que j'aime utiliser un exfoliant pour le visage. En général, j'aime pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'agresser ma peau, et avec celui-ci, pas du tout. Donc le masque coûte 5,13 $ sur iHerb, c'est pas cher du tout. Alors c'est un produit bien sûr 100% naturel, pas bio. Je ne crois pas qu'ils aient le label bio, ou alors je ne le reconnais pas sur le... Non, je pense pas. Et bien sûr non testé sur les animaux. Donc ça, c'était pour le site iHerb. Et alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir avant de faire Kiko, parce qu'il y a quand même...
Voilà, quelques produits à vous présenter. Je vais vous montrer deux petits basiques que j'ai achetés chez H&M. Ce sont des t-shirts, en fait, que j'aime bien porter la journée. Voilà, j'en rachète tous les ans chez H&M. Je les adore. Ils sont vachement extensibles. Il y a un décolleté quand même un petit peu comme ça, danseuse. C'est la gamme Divided de chez H&M. Donc, je l'ai pris en gris bleuté et en noir. Voilà, deux petits t-shirts, ça coûte 5 euros, c'est rien du tout. Ils tiennent très très bien au lavage. Et puis, ils sont hyper agréables à porter. Ils sont bien longs, moi j'aime bien les t-shirts longs. Je les ai pris en taille S. Et même la taille S, vous voyez, ce sont des t-shirts qui sont bien longs. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais vous pouvez me faire confiance. Ils sont, voilà, si vous cherchez des petits t-shirts basiques, c'est très pratique. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé chez Kiko. Et ce sera tout pour ce haul. Donc, j'ai fait les soldes en fait chez Kiko. J'ai refait les soldes parce que j'avais déjà acheté certains produits. Et là, je suis retournée. Donc, il y a des produits soldés et non soldés. Je vais vous montrer d'abord les produits soldés. Donc, ce crayon de la gamme Somptueuse, c'est un crayon beige en fait, que je mets dans la muqueuse inférieure et qui est très bien. Il est crémeux, il tient toute la journée, le soir j'en ai encore. Il donne bonne mine, franchement il est vraiment très très bien ce crayon. Et puis le principe de mettre un crayon sur la muqueuse inférieure, ça a rafraîchi le teint, j'aime beaucoup. Et il était soldé à 4 euros. Si vous ne le trouvez pas en rayon, demandez à une vendeuse parce qu'ils en ont en fait encore en stock. Moi, elle me l'a sorti des tiroirs. J'ai pris un eyeliner et un crayon crawl en fait. C'est en deux phases. Donc là, vous avez le crawl, ça ne va pas plus loin. Hein. Il n'y a que ça. Voilà, donc vous avez le crawl noir qui est assez gras. Vous voyez, donc vous pouvez travailler la matière. Et vous avez le liner en pointe comme ça. Voilà, qui lui par contre tient super bien. Quand il sèche, il ne bouge pas ce liner. C'est ça que j'ai aimé. Et même quand je l'ai testé le soir quand je suis rentrée à la maison pour et que j'ai voulu le retirer de ma main, j'ai vraiment eu du mal. Et ça, je l'ai payé pas cher du tout, je sais plus. Alors, mais je vais essayer de vous retrouver ça. Ça, ce sont les long lasting. 3 euros. Je l'ai payé 3 euros. Voilà. Ensuite, deux long lasting. Ils ont soldé les long lasting. En fait, ce sont des fards à paupières crème de chez Kiko. Et je les adore, ces fards à paupières crème. Ils sont juste géniaux, ils tiennent super bien. Il y a de très très belles couleurs, par contre il y a 90% d'irisé, très peu de mat. Et là moi je me suis pris la couleur 37, j'en ai plusieurs, hein. Je dois en avoir 6 ou 7 en tout. C'est une très belle couleur. Très très belle couleur, une couleur que je cherche depuis très longtemps. Et c'est un rouille, comment vous dire, c'est un rouille irisé qui tire vers le bordeaux, voilà. C'est un bordeaux irisé rouille et c'est une couleur que j'adore mettre en creux de paupière. Vous savez, au-dessus de la paupière amovible et j'adore mettre ça, c'est surtout pour les yeux... Les yeux marrons, les yeux verts, ça fait ressortir la couleur. Elle est magnifique. Là, on ne voit pas les irisés, mais elle a des reflets dorés. C'est pas un irisé pailleté. C'est-à-dire que c'est l'une des couleurs les moins irisées des long lasting de chez Kiko. Et j'ai pris la numéro 25. Cette fois, c'est pour mettre en sur la paupière amovible. C'est une couleur assez nude. C'est voilà, c'est pour changer du beige classique. C'est une couleur assez nude qui tire un
tout petit peu vers le rose, pas rose, mais mauve en fait. C'est presque du taupe, mais c'est plus clair que le taupe en fait. Et voilà, j'adore ces long lasting, vraiment essayez parce qu'en plus ils sont à 4,80 € au lieu de 6,90 € en ce moment. Je me suis pris un crayon à lèvres, donc c'est le numéro 701. Combien je l'ai payé ce crayon à lèvres? 2,50 €. Et c'est un rose en fait. C'est un rose assez pimpant. Vous verrez pas bien la couleur là, c'est dommage. C'est un rose assez flashy et en fait qui s'estompe très très bien sur les lèvres. Et moi je le mets donc en contour des lèvres, mais je le fais aussi un petit peu dépasser. Et j'aime beaucoup cette couleur. J'ai les lèvres naturellement très foncées. Ça me les éclaircit, ça donne un petit côté rosé, irisé. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Je me suis pris un rouge à lèvres crayon. C'est un rouge à lèvres glossy un peu, assez gras. Voilà la couleur. Et c'est un nude rosé. C'est le numéro 07. Et il est très bien. J'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il ne dessèche pas du tout les lèvres. Il est crémeux. Il tient pas énormément, mais il tient quand même. Donc de toute façon, moi je suis tout le temps obligée d'hydrater mes lèvres, d'enlever le rouge à lèvres et d'hydrater mes lèvres après derrière. Donc sinon j'ai les lèvres hyper sèches à la fin de la journée. Donc moi ça me convient tout à fait. Et j'ai pas payé ça cher du tout, je crois 2 euros. Attendez, 2,70 €. Voilà, ils ont plein de couleurs hein, de cette gamme-là. Voilà, fabriqué en Allemagne. Bref, donc ça c'est le numéro 07. Un nude rosé. Pour les vernis. Alors, les vernis à 1 euro. J'ai ces deux-là. Donc ça c'est le numéro 244. Voilà. C'est un noir violet prune. Je l'ai mis ici. Vous voyez? C'est un noir à reflet prune. Il est très joli, je l'adore. J'ai pris aussi un magnétique. C'est un marron. Marron à reflet argent, un peu métallisé, voilà. Et ceux-là, en fait, ils vendent aussi des petits aimants. Ils appellent ça magnétique parce qu'ils vendent des petits aimants que vous mettez avant que le vernissage, vous mettez au-dessus. Et ça vous fait une forme sur les ongles, c'est sympa. Bon, moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas la patience de le faire, mais c'est très sympa à faire. C'est pour faire des formes, vous savez, rayées, à petits pois, triangles, enfin, ce que vous voulez. Et ça, c'est le numéro 700. C'est celui que je porte là. Voilà. C'est celui que je porte. Donc, numéro de 700. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça. Et un dernier vernis de la gamme Poker de chez Kiko. Donc, c'est un vernis qui se met en une seule couche en fait. Et qui est assez brillant, donc vous avez le bouchon qui se retire comme ça. Le pinceau est épais, il est très 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 agréable à passer. Il était à 3 euros au lieu de 6, je crois. Voilà, je le porte sur ce doigt-là. Parce que je les essaye en fait en magasin. Et après, je laisse comme ça. Donc c'est très bien, ça tombe bien, comme ça je peux vous montrer la couleur sur les ongles. C'est un taupe rosé, c'est la couleur numéro 1 de la gamme Poker. Et pour les produits non soldés, j'ai pris leur Full Coverage Concealer en teinte numéro 4. Voilà. C'est une teinte assez foncée, hein, qui correspond à ma teinte d'hiver. Donc ça, c'est pour camoufler les imperfections, ça marche très bien. Et je me suis repris, vous savez, le sèche-vite de chez Kiko qui est sous forme de goutte à goutte comme ça. Et en fait, normalement, il y a un autre packaging. Il y a un autre packaging et je l'ai retiré parce qu'il est vraiment. Il marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, chérie?
J'arrive. J'arrive, bébé. Et excusez-moi pour cette petite coupure. Voilà, donc ce produit, je l'aime beaucoup, mis à part le packaging. Donc je l'ai racheté, ça vaut 6,90 €. Et ça vaut 7,50 €. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, ça tombe bien parce que le devoir m'appelle. Donc je vous dis. Arrête. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!